Bienvenue à PCE. Aujourd'hui, je veux vous présenter notre petit viscosimètre de rotation PCE RVI1. Le viscosimètre de rotation PCE RVI1 travaille dans une plage entre 10 et 100 000 millipascals par seconde et une précision de plus ou moins 5%. La broche de rotation 1, qui est le corps le plus grand, est utilisée pour des viscosités basses. Cette broche travaille dans une plage de jusqu'à 1000 millipascals par seconde. La broche de rotation 2 travaille dans une plage plus haute, jusqu'à 5000 millipascals par seconde. La broche numéro 3 atteint une plage de mesure de 20 000 millipascals par seconde. Et la broche numéro 4, qui est la plus petite de la série, atteint la plage maximale de 100 000 millipascals par seconde. Effectuons maintenant une mesure. Nous introduisons la broche jusqu'à atteindre la profondeur optimale et nous commençons à mesurer appuyant sur la touche qui le met en fonctionnement. La broche commence à mesurer. La broche a atteint une constance qui nous permet de lire la viscosité. Pour une meilleure lecture de la valeur de mesure, nous activons cet interrupteur de fixation et nous éteignons le viscosimètre de rotation. Maintenant, nous pouvons lire la valeur de mesure. Pour déduire la viscosité de la valeur de mesure, j'ai besoin d'une constante. Grâce à cette table, je peux dire la constante. Dans la partie gauche, nous avons quatre numéros qui équivalent au numéro des broches. Nous avons une broche grande, qui est la broche numéro 1. Avec une vitesse de 12 tours par minute, nous avons un facteur de conversion de 5. Donc, je devrais multiplier la valeur mesurée par 5 pour obtenir la viscosité absolue. Elle est déduite par le disque avec valeur. Pour cela, il est nécessaire savoir que l'échelle du viscosimètre est une échelle en pourcentage. D'abord, je détermine la valeur en pourcentage, dans ce cas 59%. Connaissant la vitesse de tour et le type de broche, je sais grâce à une table que la plage de mesure est de 500 millipascals par seconde. Le résultat dans ce cas est de 59% de 500 millipascals par seconde.